but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Bonjour Nigérien, c'est votre fille Amala. C'est le Morning Gift au 67.7 FM. Je vous rapporte les nouvelles, des nouvelles fraîches venant du monde entier. 18 19 Papa, je suis quoi? Fatiguée. Hey, jeune fille. Ne paie jamais pour une vie facile. Prie pour avoir la force d'endurer les épreuves. Bruce Lee? Bien. L'endurance, c'est la patience, la concentration. Une sorte de Carlyle? Très bien. Alors, endure. On y va. Non, 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 papa, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Quoi? Jeune fille, tu as été d'accord pour un challenge de 20 pompes. Et tu ne me forceras pas à les faire. Que... non. Allez, viens là. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, non, t'es papa. En train de battre en retraite. Oh oui, c'est vrai. D'accord, papa, tu sais que je dois m'apprêter pour l'école. Et toi, tu dois aller travailler. Allez, relâche-moi. Ouais, t'as pas tort. Là, au moins, tu m'as convaincu. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, je suis en retard. D'accord. Dépêche-toi, chérie. Gabi! Enfin, t'es là. Regardez le petit ange de papa. Papa, tu sais, je suis la belle Badi. Non, non, non. Pas dans cette maison et nulle part ailleurs. Tu te qualifieras du nom de Badès. Mais papa... Y'a pas de mais, Gabi. Non. Tu m'as entendu? Oui. Bien. Chloé viendra te pendre à l'école aujourd'hui. Je lui ai déjà parlé. Hmm? Allez, on y va, on y va, on y va. Viens. On est en retard, qu'est-ce que tu fais? Oh, d'accord. D'accord, désolé. On se salue. Allez, on y va maintenant. Je t'aime. Et je t'aime aussi, ma chérie. On y va. C'est toi.
Sois la bienvenue. Provoque-le. Où est-ce que tu vas? Salut bébé. As-tu mangé quelque chose? Chloé, si tu savais que tu n'irais pas chercher Gabi à l'école, pourquoi as-tu accepté? Est-ce à cause des vomis? Je m'en fiche de tes vomis. Bébé, je suis rentrée étant fatiguée, alors j'avais besoin de quelques verres pour me mettre à l'aise et je me suis assopée. C'est de la musique dans mes oreilles. Waouh, c'est tout ce que tu peux dire? Et où est-ce que tu vas? Je vais dîner avec les filles. Evelyne nous a invitées à un dîner de remerciement du fait que son anniversaire soit une réussite la nuit dernière. N'est-elle pas géniale? C'est terminé. Vraiment? Quel que soit ce qu'on partage, c'est terminé. Tu peux monter à l'étage, prendre tes affaires et quitter cette maison et ne jamais revenir. Oh, tu pars dans ta fête, tu prends ton pied, rentre à ton heure que tu veux, comme d'habitude. Prends tes affaires et ne reviens jamais. En d'autres termes, c'est terminé. Parce que je n'ai pas pris ta fille à l'école, oh, n'est-ce non, pas? Non, non. Parce que tu continues d'être irresponsable envers moi, ma fille et tout ce que j'ai dans cette maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dépenses de l'argent comme si t'avais un guichet automatique. L'argent que tu ne travailles pas, moi je travaille. On t'appelle la reine de la fête. La reine de la fête et toi ça te met aux anges. Tu te rends compte? Peu importe l'endroit où on t'appelle, tu iras à ton âge. À ton âge! Chloé, tu ne contribues à rien dans cette maison. Rien du tout! Allez, ne sois pas un tueur de joie. Je sais suis que très t'es pas sérieux. J'ai dit j'étais très sérieux. Si tu veux, va te donner la mort, je m'en fiche. On a terminé. Bébé, pouvons-nous parler de ça? Bébé, allez. Bébé, je suis vraiment désolée, pouvons-nous parler de ça? Prends tes affaires. Je t'en prie. J'ai dit de prendre tes affaires, pouvons-nous Chloé. Pouvons-nous discuter de j'ai ça? J'ai pas envie d'entendre une parole. Je suis désolée. J'ai plus envie d'entendre quoi que ce soit. Alors, je dois m'en aller. Bébé, je suis désolée. Peux-tu me donner une autre chance? Je changerai. Je t'en prie.
Où es-tu, maman? Où es-tu? Gabi, Gabi, je comprends ce que tu ressens. Mais je veux que tu saches que ta mère est partie pour toujours. Selena. Selena. Elle est morte et elle ne reviendra plus jamais. Gabi, je veux que tu sois forte. Viens là. Tu ne pourras plus jamais revoir ta mère. Le seul endroit où tu la reverras sera dans tes rêves et dans ton imagination. Alors, je veux que tu sois forte, ok? Viens là. Je vais partir maintenant. Mais je dois voir ton père avant de partir. D'accord? Mon cœur, pas aujourd'hui. D'accord? Hey, viens. Je veux te dire quelque chose. Je sais déjà ce qui s'est passé. Chloé est partie. Pourquoi est-ce que tout le monde nous quitte?
parce qu'elles manquent de morale. Elles sont étrangères au principe de la vie que nous avons. Mais elle me plaisait. Je peux dire la même chose pour elle. Mais elle ne nous aime pas. Mais comment ça? Elle est gentille et c'est quelqu'un d'amusant. Enlève ce côté d'humour. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Si je ne crée pas du temps, en ratant mes rendez-vous de travail, pour faire la cuisine pour nous dans cette maison, personne ne le fera. Et si je ne fais pas la cuisine, on part manger dans un fast-food. Un truc que je ne sais pas comment ça a été fait. Et ce qui n'est pas bien pour nous. Elle est toujours en retard dans tout. Elle ne peut même pas venir te prendre à l'école. Si elle faisait partie de tes priorités, ma chérie, j'aurais fermé les yeux sur certaines choses. Mais elle ne l'est pas. Je t'aime tellement, ma chérie. Et je voudrais tout ce qui est de bien pour toi. Tu comprends? Hé, il faut dormir maintenant, d'accord? Chloé et moi, c'est terminé. Vraiment? Mec, tu n'as aucune idée de combien de litres d'alcool cette fille prend. Et j'ai même pas envie de parler de son côté paresseux. Son côté paresseux est au-delà de la limite. Elle ne fout rien. Absolument rien. Et pourtant, elle dépense l'argent comme si ça sortait de sa chambre. Et elle n'est jamais à la maison. C'est quoi cet être humain? Là, c'est vraiment sérieux, mon frère. Je peux te garantir d'une chose, c'est que cette fille connaît absolument tout le monde qui organise une fête dans notre quartier. Et dans toute cette fête, elle ne porte jamais un même vêtement. Elle ne porte pas un même vêtement. Elle se pare de bijoux. Et crois-moi, des bijoux chers. À mes dépenses. À mes dépenses, je te dis. Et c'est pas ce qui est pire. Je ne voudrais pas que ma fille imite cette attitude. Cette attitude de fille de rue. J'en veux pas. Là, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je comprends pas, je me demande d'où est-ce qu'elles sortent ces filles? Qui les accouche? La vertu et la décence sont des mots qui sont étranges dans leur tête. Non mais tu plaisantes? Ah. Écoute, je sais ce que tu fais. Et c'est plutôt compréhensible. Tu recherches Selena, ta défunte épouse en toutes ces femmes. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois la surprise, bro. Tu peux pas la voir. Adams. Selena Maigua. Cette femme était parfaite. Elle l'était. Mais j'ai fini par... J'ai fini par accepter le fait que des personnes ne peuvent pas être la même. Mais je ne cherche qu'une petite partie, une seule petite partie d'Elena. Juste une petite partie, est-ce que c'est trop demandé? Je te comprends. Tu sais, j'ai cette jeune fille. Ouais, non. Je pense. Non, non. Je ne suis pas intéressé. Je veux juste me concentrer au boulot. Trouver un moyen de balancer entre la famille et le travail pour ma fille. Non, je suis intéressé par personne. Eh, écoute, l'univers qui a créé l'homme et la femme, il était fou, quoi. Mec, lâche prise. Tu sais quoi? Je te présenterai à cette dame. Et je suis très sûr que tu l'aimeras. D'accord? T'inquiète pas. Sois juste calme. Ça ira. À
Alors, comment tu me trouves? C'est trop formel. C'est basique. Quoi? Désolée, Gabi. Je ne fais que plaisanter. Tu es très beau. Tu es très beau. Merci. Salut. Je m'en vais. Sourire qui peut convaincre n'importe quel homme. Cette belle femme est la plus belle chose que Dieu n'ait jamais créée. Mec, le fait qu'elle peut tenir une conversation, mettre une conversation locale et internationale, c'était un boom pour moi. Oh, toi. Mec. Tu vois, telle que tu la présentes, je n'ai point besoin que quelqu'un vienne me dire que tu es déjà amoureux. Amoureux? Ouais, amoureux. Non, non, je suis pas sûr de l'amour. Mais oui, je l'apprécie. Tu es sûr, toi? Ah, mon gars, viens, viens, viens. Écoute, calme-toi. Es-tu en train de me dire qu'il y a un feeling entre vous? C'est-à-dire, il y a un oui, c'est un oui, quoi, n'est-ce pas? Barman, s'il te plaît. Apporte-nous quelque chose à boire. À nous. À nous. Désolé. T'inquiète, c'est rien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Tu peux décrocher, y a pas de souci. T'inquiète pas, c'est bon. Je travaille permanemment dans une compagnie à Enugu, je suis analyste. On parle d'argent, là. Oui, c'est assez. Alors, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai une femme. Oh, ok. Mais elle ne vit plus. Elle est morte. Oh, tellement désolée. Ça va, t'inquiète. Maintenant, je vis tout seul avec ma fille de 16 ans. Maintenant, je suis inquiète. Penses-tu qu'elle va m'aimer?
Qu'y a-t-il? Je ne connais pas les pas. Tu ne connais pas ses pas? T'es une fille locale alors? Je ne le suis pas. Mais tu l'es! Comment peux-tu dire que tu ne connais pas ses pas qui trendent sur TikTok? Attends, essaies-tu de me dire que tu n'as pas vu ses pas de danse sur TikTok? Eh bien, j'ai pas de téléphone Android et mon père dit que je suis encore trop jeune pour en avoir un. Oh, tu vois pourquoi je dis que t'es locale? Parce que t'es une grande fille, pourquoi ferais-tu tout ce que ton père te dirait? Tu ne devrais pas faire ça, tu devrais avoir ton propre esprit. Mais je n'ai même pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? T'as pas ton propre argent? Et ton père a de l'argent. Ne sais-tu pas où il garde son argent? Attends, veux-tu suggérer que je vole l'argent de mon père? Non, ma chérie, pourquoi te demanderais-je de voler ton père? Je te demande juste de prendre son argent. L'argent de ton père, c'est ton argent, ne le sais-tu pas? Il est là. Ok. Ok. Oui. Hey, ma chérie, ça va? Je vais bien. Apparemment, t'es occupée. T'as fait quoi toute cette semaine? J'essaie d'étudier et de mémoriser, comme tu me l'as dit. Bien. Tu permets que je vois ce que tu fais? Juste un livre. 20 pages. En une semaine. Gabi, c'est quoi ça? Je suis déçu, là. Tu faisais 2 livres en 24 heures. Alors, c'est quoi ça? 20 pages. Jeune fille, il va falloir que tu te ressaisisses. C'est quoi ça? Je reconnais pas ma fille, là. Quel que soit ce que tu traverses, il va falloir que tu t'arranges. Juste 20 pages? C'est pas vrai. Salut, toi. Salut. Que fais-tu encore là? Rien du tout, je suis juste... là. Tu regardais quoi? Rien du tout. Allez, je veux voir ce que tu regardais. Montre-moi. Toi, ok. Ok. Quand j'avais 20 ans, je souhaitais aller pour un voyage en solo dans la ville de Paris. Plusieurs années plus tard, je ne peux toujours pas me le permettre. Amusant, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle tu regardes ça dans ton téléphone.
Ok. Je payerai. Mais es-tu sérieux? Oui, je payerai pour ton voyage à Paris. Oh mon Dieu. Bébé, est-ce que tu blagues? Non. Mon bébé. Merci. Bébé, t'es sûr que tu ne blagues pas? Non. Écoute. Tu mérites tout ce que tu veux. Pour de vrai. Tu sais, ma fille ne cesse de parler de comment tu prends soin d'elle et de comment tu fais attention à elle. Et je suis très heureux que tu le fasses. Alors, vois ça comme un signe de mon appréciation. Merci beaucoup, bébé. C'est une enfant intelligente, également très gentille. Et t'as été un gentleman. Que puis-je demander de plus? Qu'est-ce que moi je demanderai plus? Tu sais ce que je demanderai? Quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas à l'étage? Cet homme a besoin qu'on prenne soin de lui. Tu es si terrible. Je suis dans de gros problèmes. Disons que c'est un bon problème. Allez, approche. Lève-toi. On y va. Où as-tu mis ce putain de téléphone? On va y arriver. Ralentis. Je suis pas censé te parler. Écoute, je ne suis plus à l'aise avec cet arrangement. Je veux que tu me reviennes. Tu es ma petite amie, je ne devrais pas te partager avec qui que ce soit. Dagula, tu vois. Calme-toi, on va bientôt le faire. On aura l'argent de ce mec. Il a l'air sérieux. As-tu oublié nos plans? L'épouser, le tuer et prendre ses propriétés. Et après, on va vivre ensemble, heureux jusqu'à la fin des temps. Je sais, bébé. Je sais. Tu me manques, c'est tout. Tu me manques aussi, tu me manques tellement. La seule consolation que j'ai, c'est qu'il a promis de m'amener un solo trip à Paris. Qu'est-ce que tu racontes? Tu mens, Bella. Tu es en train d'aller avec lui. Qu'est-ce que tu racontes, bébé? C'est avec toi que je vais m'en aller. Pourquoi penses-tu que j'ai proposé le voyage en solo? Écoute, tu vois tout ce dont on a parlé, voyager à travers le monde ensemble. Bébé, notre rêve est sur le point de devenir réalité. Oh. Tu es la meilleure, bébé, et je t'aime pour ça. Écoute, oublie tout ce que j'ai dit. Je t'aime et tu me manques également, bébé. Écoute, on va se parler plus tard. Bye. Jack.
Gina. Je suis contente de te voir. Alors dis-moi, papa t'a-t-il cherché les problèmes? Quoi, sérieux, tu y réfléchis? Disons qu'il s'est très bien comporté. Alors comment est parti? C'était super. Les filles, entrons, s'il vous plaît. On avance. C'était super. Oh, tu vois pourquoi je dis que t'es local? Parce que t'es une grande fille, pourquoi ferais-tu tout ce que ton père te dirait? Tu ne devrais pas faire ça, tu devrais avoir ton propre esprit. T'as pas ton propre argent? Mais ton père je n'ai pas encore mon argent, ça, tu qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Non, ma chérie, pourquoi te demanderais-je de voler ton père? Essaie-tu de dire que je dois voler l'argent de mon père? Je te demande juste de prendre son argent. L'argent de ton père, c'est ton argent, ne le sais-tu pas? Ok. Ok. Bébé? Oui, bébé. Bébé. Hey, bébé. Hey,
Désolé, mon cœur, je ne peux pas attendre prendre le petit déjeuner. Je dois être dans le site de construction là tout de suite, ok? Attends, tu essaies de me dire que tous mes efforts sont allés à l'eau? Non, c'est pas ça, je vais me rattraper, d'accord? S'il te plaît. Comment? D'accord, dis-le. Ok. Un voyage à Dubaï. Oh mon Dieu, j'aime tellement Dubaï. Avec ses endroits merveilleux, j'adore. Mais bébé, c'est un peu trop. Tu viens de rentrer de Paris il y a quelques semaines. Outrageux? Tu me dis ça? Ok, c'est bon. C'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que... Je voulais... Je pensais à un truc comme un dîner ou une belle robe. Tu sais, quelque chose de basique. Quelque chose de basique. Moi, basique, ta petite amie, tu ne peux même pas le dire derrière moi. Tu sais que c'est pas ce que je voulais insinuer. Pardon, c'est bon, maintenant je sais comment tu me vois. C'est pas ce que j'essaie de dire. Alors qu'essaies-tu de dire? D'accord. Choisis un jour, tu iras à Dubaï. Es-tu sérieux? Est-ce que tu blagues? Mais non, tu me demandes si je plaisante. Merci beaucoup, bébé. Ça te rend encore plus beau. Merci. T'es contente maintenant? Je peux partir? Je m'en vais. Entrez. Salut, papa. Tu vas bien? Oh, oui. J'avais l'impression d'entendre la musique. La musique? Non, ce n'était pas ici. D'accord. Hey. Est-ce que tout va bien? Ton professeur a appelé. Elle a dit que tu n'es plus concentré dans les cours. Et tu ne participes plus aux activités de l'école. Et qu'il y a de légers changements venant de toi. Alors je veux savoir. Est-ce que tout va bien? Chérie, tu sais que tu peux me parler. Je suis là pour toi. Je ne suis pas en train de te réprimander, d'accord? Je veux tout simplement qu'on parle. Maman me manque. Elle me manque aussi. Elle me manque tous les jours. Mais c'est la raison pour laquelle Bella est là. Pour prendre soin de toi. Elle ne te plaît pas? Pourquoi ne pas lui demander de t'épouser? Chérie, je t'aime tellement. T'es la chose la plus importante pour moi. Quelle que soit la décision que je prendrai, je te ferai d'abord part. Alors tu devrais lui demander de t'épouser quand elle reviendra de Dubaï. Just trying to give you
Comment l'as-tu su? Ah, on m'en a parlé, j'ai fait une petite recherche à propos de ça. À l'heure où nous parlons, je suis en train de regarder la bague. Bébé, nous allons être riches. Nous allons accomplir tous nos objectifs, tout ce dont nous avons rêvé. Écoute, ne t'emporte pas. Nous avons beaucoup de travail à abattre. Je t'appellerai plus tard. À tout à l'heure. Ok. Mon amoureux m'a acheté une alliance d'engagement très chère. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Jack, c'est quoi ton problème? Pourquoi fais-tu ça tout le temps? Veux-tu me mettre dans les problèmes? Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler dans la nuit. Ce n'est pas qu'à propos de moi, ok? Ferme ta foutue gueule. Et laisse-moi te dire pourquoi je t'ai appelé. Tu n'accepteras aucune demande venant de sa part. Écoute, j'aimerais que tu découvres s'il a un testament écrit. S'il n'a pas, persuade-le d'en faire un. Es-tu sérieux là tout de suite? Est-ce que c'est tout? Tu devais au moins s'appeler le matin, quand il partira au travail. C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu toujours plus rapide que ton ombre? Il ne m'a même pas encore fait sa demande et tu me déranges. Tu me déranges. Bonne nuit. Bébé, s'il te plaît. Lâche-moi. Bébé. Lâche-moi. Ne me supplie pas. Bébé, s'il te plaît. Isabella, tu fous le camp de ma maison. Bébé, s'il te plaît. Dégage de chez moi. Dégage de chez moi. Bébé, s'il te plaît. Écoute, j'ai pas envie de réveiller la bête en moi. Si elle se réveille, tu vas pas l'aimer. Tu vas pas l'apprécier. Dégage de chez moi. Isabella, dégage de chez moi. Bébé, s'il te plaît. T'as pas envie de voir mon mauvais côté. T'as pas envie de voir mon mauvais côté. Je suis désolée, s'il te plaît. Alors, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. C'est... Oh non. C'est comme ça que tu me payes pour t'avoir aimé. T'aimer, c'est tout ce que j'aime. Sors d'ici. Tu vas pas apprécier si je m'énerve là maintenant, je te jure. Mais s'il te plaît. Mon cœur, va dans ta chambre. Remonte dans ta chambre. Monte. Prends-les. Prends tes bagages. C'est qui appelle? Décroche à cet appel. Prends cet appel tout de suite. Oh mon Dieu. Décroche. Décroche et tu le mets sur haut-parleur. Sur haut-parleur, tout de suite. Allô? Ce que j'entends est grave. Ok, mais qu'est-ce que j'entends? Il paraît que tu es en train de faire arrêter Isabella et un certain jeune homme. Alors maintenant, tu veux jouer à ces jeux avec moi? Ne le fais pas, mec. T'avais quoi en tête derrière ça, Adams? Non, dis-moi. C'était quoi, mon argent? Les maisons? Parce que je sais que tu en as. Et même encore plus. Alors pourquoi? Pourquoi t'as envoyé cette Isabella dans ma vie?
C'était quoi, me détruire, me ruiner, pour que tu hérites mes propriétés? Wow, calme-toi, mec. Calme-toi. C'est ce que Isabelle a confessé au poste de police? C'est ce que son petit ami, ses petits amis, je sais que tu le connais. C'est ce qu'il a dit la nuit dernière quand il a appelé. Ok, désolé mon frère, j'ai besoin juste de temps pour pouvoir savoir ce qu'il... Arrête. N'ose même pas. N'ose pas me mentir, Adams. Sors de chez moi. Je te demande pardon. T'as bien entendu. Sors de chez moi. Es-tu pour de faire en train de me demander de partir de chez toi? La première fois que nous nous sommes rencontrés, nous étions des enfants qui jouaient à la cour de basketball. Tu t'es dressé pour moi quand j'étais attaqué. Tu sais, je t'enviais beaucoup à cette époque parce que tu avais tellement de capacités. Tu étais très bon dans l'équipe à l'époque, mon frère. Néanmoins, le désir de te tuer n'a jamais traversé mon esprit. Ou même tuer ta mère. Ça l'aurait été à l'époque. Tu es mon frère. Je n'ai aucune rancœur contre toi. Et je ne penserai jamais du mal de toi. Je n'ai aucune rancœur contre toi, frère. Écoute, j'aimerais que tu saches que, quel que soit ce que Isabelle t'a fait, cela a été fait selon ses propres projets. Je ne penserai jamais, jamais à te faire du mal. Adams, je te connais. Et je sais que tu ne me ferais pas de mal. J'étais pas juste dans mon assiette et j'avais beaucoup de choses en tête. Mais ça va. C'est cool. Alors nous sommes cool. C'est cool. Ça me fait plaisir. Pote. On est cool. On se voit plus tard. Cette ménagère dont tu parles, a-t-elle de l'expérience? Oui. Elle travaillait comme cuisinière et ménagère chez le gouverneur de ma localité. Oh. C'est quoi son niveau éducationnel? École secondaire. Mais à l'université, son père n'a pas pu payer sa scolarité. Oh. Wow. D'accord. Alors... dis-moi, quel est ton avis à propos d'elle? Eh bien, elle est... comme une pièce manquante. Elle est comme une fleur dans une terre sèche.
Si on l'arrose un peu, elle pourra fleurir. Comme de l'argent, tu veux dire? Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a du potentiel. Je vais l'observer pendant un moment. Uzumaki est une très bonne fille. Même comme elle n'est pas allée à l'université, mais je sais que tu vas l'aimer. D'accord. On va vérifier ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, je dois partir maintenant. Je dois aller voir mon mari. Ah oui. Dis-lui de m'appeler. J'ai besoin de lui parler. Ok. C'est très important. Pas de problème. Merci encore, d'accord? Je t'en prie. Bye. Merci. Profite de ton repas, Nana. Oh, oui, chérie. C'est ton plat préféré. J'ai fait ton plat préféré. Ok. Ça sent très bon. N'est-ce pas? Ça te plaît? Ça te plaît? Bon appétit, Una. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, oui. Je vais aller en chercher une autre. Villageoise qui ne sait rien faire. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas nettoyer. Elle ne peut pas s'occuper de moi. Elle ne sait rien faire. Elle est vraiment inutile. Dis-tu que Uzumaki ne se comporte pas bien? Tontine, bien se comporter, c'est autre chose. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de cuisiner des mes villageois que je ne comprends même pas. Comment on appelle encore ça, là? Abacha et le Kwabi. Comme si je suis une fille du village qui pourra manger ce genre de choses, n'est-ce pas? Tu sais que t'es une petite fille. Abacha, c'est juste un plat local. Et je suis sûre que ton père en profite. Donne-lui juste un peu de temps. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Tu sais quoi? Je vais lui parler. Pour qu'elle puisse varier les repas qu'elle fait pour ton père et pour toi. Oh! Balancer? Ok. Gabriella, je t'appelle. Ah, cette fille est devenue si insolente. Gabriella, je te parle. Et tu me tournes le dos? Gabriella. Gabriella, je te cherchais à l'intérieur. As-tu profité de ton repas? Merde! Avec ton accent local et ironique. Gabriella! Écoute, la prochaine fois, appelle-moi Gabi, ok? Peux-tu être gentille, heureuse ou patiente pour une fois?
Ne sois pas tout le temps. Sois gentille pour une fois avec moi. Je suis un être humain. N'as-tu pas le travail à faire quelque part? Avec la manière dont tu te comportes? Tu te comportes comme ça dans mon village? S'il t'attrape, on va te battre comme ça avec deux mains. Ta 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 ta. Si ta tête est comme ça, ils vont la corriger. Elle va redevenir comme ça. On va t'enfermer. Emmener Zendiala. Ils vont juste corriger la tête comme ça. Parce que pendant qu'on parle, on sera encore en train de dire A, toi tu seras déjà peut-être à Y, en train de bavarder. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ils doivent corriger ta tête pour qu'elle soit droite. C'est comme le truc, c'est comme ça. Ok, alors ton plan est de rassembler les gens pour qu'on me tape dessus, n'est-ce pas? Sans problème. Et quand mon père reviendra, je lui dirai ce que tu as dit. Ça ce n'est pas... Où est-ce que tu vas? Tu ne veux pas apprendre? J'essaie de t'apprendre. Vas-tu me laisser tranquille? Puis-je passer? C'est comme ça, tout le temps tu sauras comme ça. Dégage de mon chemin. Tu peux passer, ah, passer, vas-y. Apporte de l'eau pour arroser les fleurs. Tu sais quoi? Cherche quelque chose à faire. Viens arroser les fleurs. Viens arroser. Viens arroser les fleurs. Laisse-moi, oh! Laisse-moi! Viens. Je ne t'ai pas touchée, tu me griffes. Viens arroser les fleurs. Je ne sais même pas ce que tu racontes. Viens par là, tu vas arroser les fleurs. Va chercher l'eau, tu viens avec. Cette petite fille va me donner les maux de tête. Tell Pandora to bring the secretary files to my office at once. Sir, she's not here yet. What? Sir, please, there is something. It has nothing to do with global ventures. I'm not interested. So wait, he's comfortable watching you walk all through the night. Y a-t-il autre chose que vous voudrez, monsieur? Merci. Que fais-tu? Rien du tout, monsieur. Je veux juste aller garder ce... s'il te plaît. Non, c'est bon. Assieds-toi. Regarde avec nous. Non. Ne t'assois pas par terre. Assois-toi sur la chaise. Dépose ce verre, s'il te plaît. Les souvenirs. Tu vois, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant. Tu vois, mes parents me prenaient, moi et mes frères, et nous amenaient à ce festival. On s'amusait bien. On dansait, on se baladait. Et on y restait jusqu'à tard. Ah, c'était amusant. Tu n'avais pas peur? Peur? Non. On s'amusait simplement. Énormément. Mais il y avait beaucoup de gens. Et tout ce qu'on faisait, c'était de danser. Même toi? À cette époque. Maintenant, toutes sont déjà mariées. Donc, c'est ça qui nous a dispersés. Oh. Certains d'entre eux ont regagné le groupe. Ça doit être triste. La vie. Hey. Allez, danse pour nous. Ouais, elle peut danser pour nous. Allez, vas-y, ne sois pas timide. Amaka, danse pour nous. Danse. Danse pour nous, Amaka, sois pas timide. Je sais qu'il t'en reste un cœur dans le ventre. Allez, danse. Voilà. Allez, on y va. Danse. Regarde-la. Danse. Bonne nuit. Gabi? C'est bon, elle ne m'aime pas du tout. Désolée, monsieur. Je suis désolée.
Je vais lui parler, d'accord? Juste une minute. C'est fait. Alors je lui ai parlé. Elle envoie ses excuses. Assieds-toi, viens t'asseoir. S'il vous plaît, monsieur, non. Non. Amaka, allez, assieds-toi. La danse, ça me revient, tu étais en train de danser. Je t'en prie, continue. Allez, danse, s'il te plaît. Ça me plaisait bien quand tu dansais. Vas-y. Danse. S'il te plaît, j'aimais bien quand tu dansais. Ok. Il t'en reste dans le ventre. Allez, vas-y, c'est bien. D'accord. Wow. Tu danses bien, hein? C'est cool, c'est bien. Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Y a pas de quoi, viens t'asseoir. S'il te plaît. C'est juste pour regarder l'émission. Regarde simplement l'émission. Allô, Uzamaka. Il y aura des techniciens qui viendront arranger le système d'irrigation d'eau dans la chambre des invités. Je vais déposer l'argent sur le tiroir et j'aimerais que tu les payes dès qu'ils auront terminé, d'accord? Et prends très bien soin de la maison, compris? Je vais partir avant que tu ne rentres. D'accord. Selina. Pourquoi m'as-tu quittée? Pourquoi? Chérie. Je crois qu'elle a retenu sa leçon. Peut-être la façon dont on lui dira les choses pourra l'exposer au danger. Elle pourra finir par voler ou le prendre chez les hommes. Elle a juste 13 ans. Chérie, c'est pourquoi les conseils existent. Non. Honnêtement, je cherche des mots pour la décrire. Elle est une femme fabuleuse. Il n'y a rien qu'elle ne sache cuisiner. Uzamaka, elle sait tout cuisiner. Les repas étrangers, les repas locaux. En fait, elle fait des repas que j'ai pas mangés depuis très longtemps, ces repas locaux. Et j'aime ça. Tout ce qu'elle touche, ça brille. Dans son ménage, on n'a absolument rien à dire. Cette fille, elle est tellement paisible. Elle est la seule qui me redonne l'espoir, pas comme toutes celles qui sont parties de ma vie. Tout ce qu'elle faisait, c'est la fête, boire et fumer, et d'une nuisance horrible. Mais elle est différente, vraiment différente. Merci. Je t'en prie, tu
Tu sais que je t'ai dit que tu vas l'aimer. Uzumaki est une bonne fille avec une bonne morale. Sais-tu que, à chaque fois que je l'envoie au marché, quel que soit ce que je lui demande d'acheter, elle ramène ma monnaie. Je suis impressionnée. Je veux dire, elle a cette honnêteté et ce dévouement. Non, merci. Vraiment. Tu sais quoi? Je dois aller là à l'intérieur et goûter un peu ces plats locaux qu'elle te fait. Désolée, elle est allée au marché. Oh non. À moins que tu attendes jusqu'à son retour, sauf si t'es pressée. Prochainement peut-être. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, je vais t'accompagner. Ok, merci. Alors, Uzumaki, Kanekime. J'ai eu le rapport à propos de toi par le boss, hein? Un tas de bonnes choses qu'il me raconte. Hein? Tu fais scintiller toute la maison. Et que la nourriture que tu fais est magnifique, qu'elle soit locale ou internationale. Ma chérie, bravo à toi. Tu fais bien, continue, je suis fière de toi. Hein? Tu fais bien, continue juste comme ça, ma chérie. Tu vois, j'étais à la maison là tout à l'heure et je voulais manger un de tes repas. Mais vu que t'es pas à la maison, je viendrai le week-end et quand je viendrai, rassure-toi de me faire l'okpobi et de la bacha. Moi aussi, je dois profiter de tes repas, ils ne doivent pas en profiter tout seul. Nguano, moi, tu gazou, oh. Prends soin de toi. Uzumaki, dépêche-toi. La table est réservée à 20h. En passant, plus de taxi. Ah, merci. Quand t'as dit faire quelque chose, elle le fait. Pas ce soir, s'il te plaît. Je vois pas ce qui te fait rire. Ce n'est pas de la curiosité. Mais depuis quand est-ce que les employés sortent avec les employeurs? Depuis maintenant. On peut y aller? Bonne nuit. Au revoir, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous avant que je n'aille... dormir? Uzumaki, tu peux aller te coucher. Ça va pour moi. Je peux m'en charger du reste, d'accord? Monsieur. Oui. Je ne voulais pas vous déranger. J'ai gardé un peu d'argent de mon salaire. J'ai un peu d'argent. L'argent qui est mon salaire, je vais l'utiliser pour m'acheter un laptop. Uzumaki, pourquoi tu as besoin d'un laptop? Le laptop, je vais l'utiliser pour les cours en ligne. Taper, faire des messages, Messenger, les choses de Messenger. Et aussi, si tu vas au travail, et Gabi va à l'école. Comme ça, j'aurai au moins quelque chose que je ferai à la maison. Comme ça. Et je te le dis juste pour que tu ne sois pas fâché, que quand tu vas rentrer, tu me vois en train d'appuyer le laptop.
Je vais finir toutes les tâches ménagères, toutes les tâches avant de sortir le laptop pour le manipuler. Mais si tu ne veux pas que j'achète le laptop, je peux juste... Ça va, Maka. Je t'achèterai un laptop. Et si tu as besoin d'autre chose pour que je te soutienne, dis-le-moi. Merci, monsieur. Désolée, monsieur. Monsieur, j'étais contente. Désolée. Pourquoi pas? Pourquoi te retenir si tu es... Papa! Ouais? Papa, il y a quelque chose dans ma chambre! Ok, Gabi! Dépêche-toi! Oh, papa, tu viens? Ouais! Bonne nuit! Bonne nuit! Tu me regardes et tu es aveugle? Ne peux-tu pas ramasser ça? Qui est-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi fais-tu ça? L'excuse pathétique de femme de maison. Pourquoi tu... Ah! Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi, espèce de villageois. Oh, tu... Hey, que se passe-t-il ici? Monsieur... Papa, elle m'a insultée. Elle s'est mise à crier n'importe comment. Hein? Elle m'a frappée. Où? Je l'ai fait où? Et comment? Où l'ai-je fait? As-tu frappé ma fille? Non, je ne l'ai pas fait. Je lui ai mis de l'eau dans le verre. Quand je lui ai mis de l'eau, elle a versé sur le sol et puis elle a versé sur mon visage. L'eau maintenant est entrée dans mes yeux, ça a touché mes yeux. Je ne l'ai pas touché. Écoute, je voulais... Écoute. On ne lève la main sur personne dans cette maison. Je ne l'ai pas frappé. Sous aucun prétexte. Je répète, sous aucun prétexte. Tu ne lèves la main sur ma fille, est-ce que c'est clair? Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Je m'en fiche. Gabi, ça va. Papa, c'est pas... Je suis désolé. Regarde mon bras. C'est bon, prends ton sac, je t'amène à l'école. Je t'achèterai de quoi manger en route. Prends ton sac. Ça va. Je ne l'ai pas touché avec de l'eau dans les yeux. Nos corps ne se sont même pas touchés. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai même pas touché. Elle raconte des bêtises. Et pourtant, je ne l'ai même pas touché. Je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Gabriella? Gabi, as-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et d'où as-tu appris ces manières? Parce que j'ai pas élevé ma fille de cette façon. Papa, tu poses plusieurs questions. Je devais répondre à laquelle d'abord? Pourquoi tu versais de l'eau sur la machine d'Amaka? Papa, tu me cries dessus à cause de cette chose qui sort de nulle part. Je ne comprends même pas. Et tu ne te reproches même pas? Jeune fille, à cause de ça, t'es punie. À partir de maintenant, le nettoyage, le ménage et laver tout ce qui t'appartient dans cette maison, elle ne fera plus rien. Tu le feras pour toi-même. Mais papa, c'est pas juste, ça n'a aucun sens. Ce sera ça ta punition. Entrez. Oh, c'est toi. Je suis occupée. Est-ce que je peux te parler? Je t'écoute.
Non, 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 s'il te plaît, reste debout. Tu veux t'asseoir sur mon lit? Avec ces haillons que tu portes sur toi, que tu traites d'habits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gabriella, j'aimerais dire désolé pour ce que j'ai pu faire, ou que j'ai fait, ou que je fais. Je veux juste dire désolé. Tu ne m'as rien fait de mal. C'est juste que je ne t'aime pas. Et je préfère que ça reste ainsi. Je veux qu'on s'aime. Je ne veux pas qu'on soit toujours blablabla et nos bouches sont... On peut juste rester, être heureuse. Être amis, être ensemble. Être amis... Tu te dire amis? Oui. Les gens se moqueront de moi si je fais l'amitié avec une villageoise comme toi. Alors tu vois, hein, tu n'entres pas exactement dans l'esthétique du genre d'amis que j'aimerais garder. Je ne sais pas si tu comprends. Je peux être dans tes statistiques. Je peux être là pour toi. Je peux aussi être ta mère. À ça, jamais. Tu ne seras jamais, au grand jamais, ma mère. Osamaka. J'aurais souhaité, au-delà de tout, que tu restes. Mais la paix de cette maison est menacée. Il y a des choses que je ne tolère plus chez ma fille. Parce que de plusieurs manières, elle a contribué au bonheur de cette maison. Mais pour le bien de tous, je vais devoir te laisser partir. Alors, tu as de maintenant jusqu'au week-end pour te préparer. Si tu as besoin de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Fais-le-moi savoir. Je vais te faire un transfert d'argent dans ton compte pour que tu t'achètes un nouveau laptop. Je veux que tu continues ta formation. Je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Mais n'envoie pas. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton laptop. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Toutes ces choses que tu as faites pour moi et s'il te plaît, prends soin de toi. Thank you.
Attends. Tu dois vraiment sortir de cet état. Tu y as déjà mis trop long, mon frère. Et maintenant, ça affecte le travail. Cela affecte ta participation aux sorties avec les gars. Qu'est-ce qui ne va pas? Amaka me manque. J'aurais souhaité qu'il y ait un moyen que je puisse la ramener. Je le souhaite vraiment. Alors va chercher ta femme. C'est pas si facile. Vois-tu, quand Selena est morte, je lui ai fait une promesse. Que ma fille n'aura rien d'autre que la paix pour le restant de sa vie. La paix. Je voulais l'élever dans un endroit paisible pour qu'elle soit exactement comme sa mère. Et maintenant, elle n'aime pas Uzumaki. C'est la guerre à la maison, tout le temps. Alors on va juste... On va laisser les choses telles qu'elles sont. Attends. S'il te plaît, rappelle-moi, quel âge a Dabi? 16 ans. 16 ans. Ce qui signifie, sous peu de temps, elle aura terminé avec son secondaire. Ensuite, elle ira à l'université. Ensuite, elle aura une relation. Elle se mariera. Et tout ça. Et ensuite, elle aura des enfants. Alors, j'aimerais te demander, mon ami, laquelle de ces choses choisirais-tu pour elle? Je devine que tu penses ce que je pense. Écoute. Attends. Il n'y a que peu que nous puissions faire pour ces enfants. Ils ne peuvent pas rester dans nos vies éternellement. Nous-mêmes ne le pouvons pas. Raison pour laquelle tu devrais avoir cette conversation un jour ou l'autre. Mon pote, tu as eu beaucoup de relations qui ont échoué. Celle-ci maintenant avec cet Amaka, qui paraissait pouvoir durer. Où chacun d'entre nous étant te regarder, genre, ok, voilà ce qui se passe pour mon pote. Il a retrouvé la forme, il a trouvé quelqu'un. Tu me dis que tu veux mettre fin à ça à cause de Gabi. Bro, ça pourrait pas se faire. Non, ça devrait pas se faire. Non. Non. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas sacrifier la paix dans ma maison pour mes sentiments. Je ne le ferai pas. Ça, c'est être égoïste. C'est ce que ça aurait l'air. Bien, Ota. Je ne le ferai pas non plus. Je ne pourrai compromettre cela pour rien au monde. Mais une fois de plus, bro, je veux que tu sois heureux. Non. Ouais. Ouais, une seconde. Mec. Mec, assieds-toi, prends place. Merci, je t'en prie, prends place. Tu n'as aucune idée de comment je suis reconnaissant de ce que ta femme a fait pour moi l'autre jour. Mec, vous avez fait beaucoup pour moi, je l'apprécie. Allez, vraiment. Mec. Otto. Ah. Otto, ma femme, c'est ta sœur. Alors, quel que soit ce qu'elle te fait, elle le fait pour moi. Alors, voyons, mec. Quand tu vas rentrer, remercie-la pour moi. J'apprécie vraiment sur reconnaissance. Je le ferai, mais c'est rien. Mais en passant, je réfléchissais à quelque chose. Ozota a besoin d'aide. Tu as vraiment, vraiment besoin d'aide, présentement. Ouais. J'en ai besoin. C'est pas faux. Parce que tu vois, toutes ces choses que ma femme fait pour toi, je veux dire, ce n'est rien. Cela ne m'affecte en rien. Mais, voyons, mec, je pense que tu as besoin d'une autre aide. Tu dois avoir une autre aide. Ou alors, rappelle simplement Uzumaki et arrange-toi avec elle.
Ouais. Tu sais que je n'ai aucun problème avec Uzumaki. En toute sincérité, j'en ai pas. Mais ma fille a des soucis avec elle. Quant à moi, Adams, j'aurais souhaité me coucher et me réveiller près d'Amaka. Je te demande pardon. Te coucher et te réveiller aux côtés d'Amaka. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu la paix que Selena dégageait en Amaka. Quelque chose que j'ai jamais vu sur toutes les femmes que j'ai approchées. Mec, bah tu sais ce qu'on dit. La paix avant les sentiments. Ok. Ouais. Hey, comment tu vas? Mon petit ange, ça va? Je vis bien. T'es sûr que tu vas bien? Mm-hmm, ça va. Plutôt bien. Hey. J'aimerais qu'on parle de quelque chose. Mais je veux monter prendre un bain avant qu'on ne parle, d'accord? Oh, de quoi s'agit-il? C'est à propos d'Uzumaki. Ok. Je peux jouer à un jeu avec ton téléphone? T'as besoin de demander? Merci. Gabi, je... Uzumaki me manque. Quoi? Je pense que je suis amoureux d'elle. Mais elle ne me plaît pas! Raison pour laquelle on en parle, ok? Je vais lui demander de revenir dans cette maison, s'il te plaît. Oh. Écoute, parfois on n'a pas besoin de voir seulement le mauvais côté des gens. On doit aussi voir leur bon côté. Je veux la ramener ici pour qu'on soit heureux ensemble. Ensemble. Mais je ne peux pas te garantir qu'il n'y aura plus de bagarres. Je sais. Alors si tu la ramènes ici, je m'en vais. Et Gabi, où est-ce que tu vas rester, toi? Alors tu devras choisir entre elle et moi. Et pourquoi je vous aurai pas toutes les deux? Gabi, s'il te plaît, je t'en prie. Je vous veux toutes les deux dans ma vie. D'accord? Dis quelque chose. Bon choix. Bon choix et on discute quand même de ça? Que se passe-t-il? Ozo, calme-toi. Uzumaki, prends place. Vas-y, assieds-toi. Nous nous sentions concernés par tes multiples relations et échecs.
C'est pour cela que ma femme, Gabi et moi, avons planifié de perturber tous les efforts de toutes les femmes qui entreraient dans ta vie. Juste afin qu'elles démontrent leurs véritables intentions. Tu vois, Uzumaki que voici s'est retrouvée amoureuse de toi. Elle voulait juste faire tomber les barrières. Écoute, je ne te déteste pas. Je ne faisais que ce que ton tonton et ta tantine m'ont demandé de faire. Tu sais, Ozo, j'ai entendu vos deux confessions. Et je dois te dire qu'elles sont fondées et que vous êtes tous les deux amoureux. Mes félicitations. Toi, mon pote. Uzumaki. Viens. Vas-y. Ozo, vas-y. Vas-y. Ça, c'est vraiment ce qu'une famille doit faire. Et j'aime bien ça. J'espère que vous êtes fatiguée. Maman, tu veux de l'eau? Oh, je suis désolée, ok? T'es pas habituée à maman. Tu es déjà habituée à Uzumaki. Veux-tu de l'eau? Oui. Ok, je vais la prendre. Oh, non. Allons-y ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, allez, on s'y met. Ah, et pas ben ça. Eh ben, tu viens de voir.